Salut, bienvenue sur la chaîne Au gré du vent. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à organiser, à dépolluer votre boîte Gmail en 4 étapes. Certains conseils pourront aussi s'appliquer si vous avez une autre boîte mail que Gmail. Par contre, il y a quelques conseils plus techniques sur l'organisation de la boîte mail qui, là pour le coup, concerneront plus Gmail. Pour commencer cette vidéo, je voudrais d'abord parler de la pollution numérique, notamment de la pollution des mails. Et ensuite, on passera aux différentes étapes pour organiser, dépolluer votre boîte email. Et donc dans la deuxième partie de la vidéo, je vais plus filmer mon écran pour que vous puissiez bien voir les différentes manips que je fais sur Gmail. À l'ère du zéro déchet, du minimalisme, on a beaucoup tendance à dématérialiser les livres, les courriers, la paperasse, les jeux, les fichiers audio, les fichiers vidéo. Alors ça a l'avantage de gagner de l'espace dans notre intérieur. Personnellement, j'ai pour objectif pour les prochains mois de dématérialiser au maximum la paperasse. Et cela dans le but de ne plus avoir ces montagnes de dossiers dans le bureau. Je pourrais faire une vidéo sur le sujet, le fait de dématérialiser toute la paperasse. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, ça me motivera aussi. On est de plus en plus à recevoir les factures, les documents importants par email. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, mais que fait-on de ces emails une fois qu'on les a reçus? Très souvent, en tout cas c'est mon cas, on laisse les mails dans la boîte mail et le jour où on en a besoin, on tape les mots-clés dans le moteur de recherche Gmail pour retrouver ce fameux mail. On galère à le retrouver. Et voilà, année après année, on accumule des centaines et des centaines et des centaines d'emails sur notre boîte mail. Et là, on se dit, faudrait peut-être que je fasse un tri. Ou encore, c'est Google qui nous dit qu'on n'a plus d'espace de stockage et qu'il va falloir faire du tri. Ça, c'est le pire des cas. Et là, on imagine des heures et des heures de tri de mails qui nous attendent. C'est le truc qu'on ne veut pas vivre. Une fois par an, pour ma conscience et pour le stockage, je fais un tri de mes mails. Mais je suis jamais arrivée jusqu'à la première page de Gmail. J'ai jamais fait un tri total de mes emails parce que j'ai jamais pris le temps. Et franchement, ça me démoralisait à l'avance. Et surtout, c'est pas du tout organisé. Et une fois que j'ai fait ce tri une fois par an, eh bien, ça recommence. Parce que j'ai une mauvaise organisation et du coup, ça sera comme ça et ça sera de pire en pire et au bout d'un moment, il faudra que je passe des jours à tout trier. C'est pour ça que je fais cette vidéo et aussi pour vous parler de la pollution numérique. Et ça, c'est le deuxième problème. Ces vieux emails qu'on garde tous et qui ne sont plus d'aucune utilité prennent de l'espace de stockage sur des serveurs. Ces serveurs demandent de l'énergie. Cette énergie qui a besoin d'être produite engendre du CO2 et donc pollue. Quand on envoie un email, ça génère du CO2. Plus ou moins de CO2 en fonction de à combien de personnes on a envoyé cet email et est-ce qu'il y avait une pièce jointe et de quel poids était cette pièce jointe. Donc en fonction de ça, l'email va plus ou moins générer du CO2. J'ai tout de suite pensé au téléphone portable ou autre en me demandant si c'était pas plus écologique du coup d'utiliser le téléphone pour donner une information à quelqu'un plutôt que d'envoyer un mail. Alors au niveau de l'envoi du mail et de la consommation de CO2 pendant l'appel téléphonique, je pense pas qu'il y ait une grande différence. Par contre, là où il y a une différence, c'est que lorsque vous avez fini votre appel, vous raccrochez et c'est terminé. Alors que si vous envoyez un mail et que la personne ne supprime pas ce mail alors qu'elle n'a plus besoin de ce mail, là, ça continue de générer du CO2. Et du coup, dans ce cas, bah, l'email est plus polluant que le coup de téléphone. Alors bien sûr, un coup de téléphone, ça remplacera pas toujours un email parce qu'on ne peut pas envoyer une pièce jointe, mais dans le cas où c'est juste une information, du coup, c'est plus intéressant de passer par le téléphone. D'un point de vue, consommation de CO2. Alors j'ai trouvé quelques données. Alors c'est assez vague, mais bon, ça donne quand même quelques chiffres. Chaque Français stockerait en moyenne entre 10 000 et 50 000 mails inutiles. Alors toutes ces données, ces emails inutiles, sont stockés sur des data centers qui consomment annuellement
200 TWh. Enfin, c'est énorme. Enfin, moi, TWh, je connaissais même pas. Moi, je connaissais kilowattheure. Je me suis arrêtée là. TWh, c'est XXX fois plus, deux fois plus que le kilowattheure. Et donc, ce stockage produit 0,3% des gaz à effet de serre. Donc, ça a vraiment une incidence, le fait de ne pas faire le tri de sa boîte mail et de garder tout le temps des emails inutiles. Et pareil pour les emails que vous recevez et qui vont direct dans les spams, encore une fois, c'est vraiment de la pollution inutile. J'espère que je vous ai convaincu pour commencer le tri. On va passer sur l'ordinateur, sur l'écran, pour que je puisse vous montrer ce que je fais. Alors il y aura pas mal de parties floutées parce que bah, c'est quand même sur mes boîtes mail perso. Donc voilà, la boîte mail c'est quand même assez personnel. C'est parti. Première étape, on se désabonne. Souvent, on reçoit des mails parce qu'on est abonné à des newsletters de sites internet, de boutiques ou encore de formations qu'on a suivies, mais ça ne nous intéresse plus à l'heure actuelle. Et on continue à recevoir ces emails et à les supprimer au fur et à mesure. Donc au lieu de faire ça, donc on va regarder toutes les newsletters qu'on reçoit et si cela ne nous intéresse plus, on va se désabonner. Donc vous faites ça pour tous les emails de newsletters que vous avez dans votre boîte de réception. Vous les supprimez ou vous vous désabonnez. Si vous voulez garder un mail spécifique d'une newsletter qui vous apporte des informations que vous voulez garder, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo comment les ranger dans un coin pour pouvoir les retrouver par la suite. Si vous avez catégorisé votre boîte Gmail en boîte générale, promotion, réseaux sociaux, vous retrouverez sûrement pas mal de mails, de newsletters dans votre boîte promotion. Deuxième étape, se dénotifier des mails des réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'entends par là? Souvent quand on a un compte Facebook, Instagram, Twitter ou autre, c'est coché par défaut que lorsqu'on a une notification, cela nous est envoyé par email. Par exemple, lorsque quelqu'un vous envoie un message sur Facebook, vous recevez un mail vous disant « cette personne vous a envoyé un message sur Facebook ». Personnellement, j'ai enlevé quasiment les trois quarts des notifications que je reçois sur mon téléphone. Et là, c'est un peu pareil. On va supprimer les notifications qu'on reçoit par mail des réseaux sociaux. Si vous allez par exemple une fois par jour sur Facebook, une fois par jour sur Instagram, vous allez voir vos notifications à ce moment-là et vous serez averti. On n'a pas besoin de recevoir les notifications sur le téléphone, par mail, etc. En plus, on se sent souvent un peu agressé, saturé quand on reçoit beaucoup de notifications. Donc c'est un conseil que je vous donne, c'est de supprimer ou diminuer le nombre de notifications par mail que vous recevez des réseaux sociaux. Donc là, c'est différent. Il faut aller sur le réseau social concerné. Pour Facebook, c'est simple. Vous allez sur la cloche notification. Ensuite, vous allez sur les trois petits points. Vous cliquez dessus et vous allez dans paramètres des notifications. Et à cet endroit, vous pourrez choisir quelle notification vous voulez garder ou non. Pour Instagram, vous allez dans paramètres, puis dans notifications. Pour les autres réseaux sociaux, dans la plupart des cas, c'est dans paramètres. Alors, on va maintenant, dans cette troisième étape, trier tous les mails. Mais avant de trier, on va réorganiser votre boîte mail, on va créer des catégories et cela va nous aider à organiser la boîte mail et à savoir quel email on supprime et quel email on range. Donc pour commencer, vous allez prendre tous les emails un par un en partant du plus récent vers le plus ancien. C'est plus facile dans ce sens. Pour chaque mail, vous allez devoir choisir si vous le gardez ou si vous le supprimez. Dans le cas où vous le gardez, vous allez devoir choisir où vous voulez le ranger. L'objectif, c'est qu'à la fin, dans votre boîte principale, il n'y ait plus que des mails en cours de traitement. Les autres mails sont soit classés dans des libellés, des catégories, ou supprimés. Quand vous ouvrez un mail, vous avez quatre possibilités. La première possibilité est la plus simple. Ce mail n'est d'aucune utilité, vous le supprimez. À savoir que Gmail garde les mails supprimés dans la corbeille pendant 30 jours.
Donc si vous faites une erreur, vous avez encore 30 jours pour aller rechercher le mail dans la corbeille. Au bout de 30 jours, il est supprimé définitivement. Deuxième possibilité, vous ouvrez un mail et dans ce mail, il y a une pièce jointe importante. Dans ce cas, je télécharge ma pièce jointe et je l'enregistre dans un dossier sur mon ordinateur. L'idéal, c'est de l'enregistrer sur un serveur comme Dropbox, OneDrive. Comme ça, si un jour vous avez un problème avec votre ordinateur, vos fichiers ne sont pas perdus. Et cela permet aussi de partager les fichiers sur plusieurs ordinateurs et de les retrouver, par exemple, si un jour vous êtes loin de chez vous. Une fois que vous avez sauvegardé ce fichier, vous supprimez le mail. Troisième possibilité, vous ouvrez le mail et là, c'est un mail que vous voulez garder pour une durée limitée ou illimitée, peu importe. En tout cas, pour l'instant, vous voulez le garder. Dans ce cas, je vais créer une catégorie sur Gmail ou un libellé, ça dépend comment on les appelle, pour le ranger. Donc pour créer ma catégorie, j'ouvre mon mail. Une fois que je suis sur le mail, au-dessus du titre, l'objet du mail, vous avez des onglets. Vous cliquez sur l'onglet qui ressemble à un chevron, c'est l'avant-dernier à côté des trois petits points. Donc ça s'appelle libellé. Quand vous cliquez dessus, vous voyez tous vos libellés. Pour créer un libellé, donc vous descendez tout en bas, vous cliquez sur créer, vous tapez le nom du libellé. Donc ici, c'est un mail que j'ai reçu pour des résultats d'analyse. Donc je vais créer un libellé que je vais appeler santé. Si vous voulez, vous pouvez créer des sous-catégories. Donc c'est écrit en dessous, imbriquer le libellé sous. Donc par exemple, vous pouvez créer le libellé santé et créer par la suite la sous-catégorie analyse. Je clique sur créer. Donc voilà, j'ai créé mon libellé santé. Donc mon mail va se retrouver dans la catégorie santé. Mais on peut voir en haut qu'il est aussi dans la catégorie boîte de réception. Donc moi, je ne veux plus que ce mail soit dans ma boîte de réception parce que je l'ai classé dans la catégorie santé. Donc je supprime le libellé boîte de réception en cliquant sur la croix. Du coup, quand je vais dans ma boîte de réception, le mail n'est plus là. Par contre, si je vais dans santé, ici, je retrouve mon mail. Si vous avez peur de ne pas retrouver un mail, pas de panique. Vous tapez les mots-clés de votre mail dans la recherche de messages. Et comme vous pouvez le voir, je retrouve mon mail que je viens de classer. L'objectif, c'est vraiment de vider votre boîte de réception. La quatrième possibilité, c'est les mails que vous allez laisser dans votre boîte de réception. C'est ce que j'appelle les mails en cours. Ce sont des mails qu'on va pas forcément garder par la suite, mais qui sont en cours de traitement. Donc soit des mails qu'on n'a pas encore lus, soit des mails qu'on veut garder pour l'instant parce qu'on en a besoin en ce moment, mais on sait qu'on va bientôt le supprimer. Je vous donne un exemple. J'ai fait des commandes pour Noël, donc je reçois des mails qui me disent « Voilà, mon colis est en cours de préparation, mon colis va bientôt être livré. » Et bien ça, c'est des mails en cours. Donc voilà, je les ai dans ma boîte de réception, je les garde, mais une fois que j'ai le colis, je supprime les mails. Mais tant que je n'ai pas le colis, ces mails sont dans ma boîte de réception, ce sont des mails en cours. Donc voilà, maintenant vous savez comment trier les mails, vous savez comment organiser vos mails pour avoir une boîte de réception épurée avec le strict minimum. On arrive à la quatrième étape, gérer les mails au quotidien. Parce que c'est bien beau de faire un tri de la boîte mail, d'organiser sa boîte mail. Après, il faut continuer à les gérer quotidiennement. Parce que je pense qu'on reçoit tous des mails quotidiennement. Alors déjà, le fait d'avoir organisé votre boîte mail, ça va beaucoup vous aider à la gérer au quotidien. Mais cela ne fait pas tout. Donc je vais vous donner quelques astuces. Tout d'abord, la règle des 2 minutes de David Allen. Donc en gros, la règle, c'est que si une tâche vous prend moins de 2 minutes pour l'effectuer, vous la faites tout de suite. Donc par exemple, si vous recevez une notification comme quoi vous avez reçu un mail et que ça vous prend moins de 2 minutes pour le traiter, vous le traitez. Si en ouvrant votre mail, vous vous rendez compte que cela va prendre plus de 2 minutes pour le traiter, ce que je fais, c'est que je le remets en non lu. Comme ça, quand je vais prendre le temps de traiter mes mails le soir ou le matin, je sais que tous les mails qui sont en non lu n'ont pas été traités et doivent l'être. Alors on va reprendre mon petit mail du laboratoire. Donc sur Gmail, c'est simple. Donc
quand vous avez votre mail ouvert, vous allez sur les trois petits points en haut à droite du mail, vous cliquez et tout en bas, vous cliquez sur « Marquer comme non lu ». Votre mail apparaît de nouveau en non lu. En fonction du nombre de mails que vous recevez chaque jour et de leur urgence, je vous conseille de traiter vos mails qui demandent plus de 2 minutes de traitement tous les jours ou tous les deux jours. De cette manière, vous aurez toujours une messagerie organisée à jour et vous aurez l'esprit tranquille. Pour résumer les 4 étapes. Première étape, on se désabonne à toutes les newsletters qui ne nous intéressent plus. Deuxième étape, on se dénotifie des mails qu'on reçoit des réseaux sociaux. Pour cela, il faut aller sur le réseau social en question, dans paramètres, notifications. Troisième étape, on organise et on trie. Pour organiser, on va créer des catégories avec des libellés. Le but étant d'avoir une boîte de réception avec uniquement des mails en cours de traitement. Les mails qui ne sont pas importants sont supprimés et les mails importants sont rangés dans des catégories. Quatrième et dernière étape, c'est la gestion des mails au quotidien. Si ça prend moins de 2 minutes, je traite le mail immédiatement. Si ça prend plus de 2 minutes, je garde le mail en non lu et je le traite à un autre moment de la journée quand j'ai plus de temps. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé ces conseils et qu'ils vous serviront pour dépolluer votre boîte mail. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !